Samuel chapitre 15. C'est là nous allons regarder ensemble avec vous. À travers ce texte, nous allons essayer de découvrir que l'attitude, c'est ça qui a fait bon Dieu débloquer là. La paix avec vous, l'église là. Ouais, dans 1 Samuel chapitre 15, nous allons voir l'attitude, c'est ça qui a fait bon Dieu débloquer. Et ma position occupée, et pas niveau intellectuel ou et pas quantité jeune nous fait par jour et pas quantité capacité ou quantité que vous pouvez diriger, mais c'est attitude qui va le faire bon Dieu développer la paix mondiale avec l'église là. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble avec moi? C'est attitude qui va le faire bon Dieu développer. Tu sens ma paix? C'est attitude qui va le faire bon Dieu débloquer. On ne parle pas comme ça. C'est attitude moins qui va le faire bon Dieu débloquer. C'est attitude moins qui va le faire bon Dieu. À travers ça, une histoire qui passait entre roi Saül avec bon Dieu et puis entre parenthèses Samuel. Bon Dieu, bah, Saül, disons, yon devoir, yon mission pour l'accomplir, pour la bataille avec le peuple Amalek. Mais avant, Saïl allait, il bat Saïl condition pour Saïl mener combat. Qui ça dit Saïl? Il dit Saïl, vous pouvez aller avec Amalek, peuple ça, son peuple qui raille, qui parle de web, aller détruire tout. Détruire ni monde, ni animaux. Bah, il y a un sacrifice pour moi. C'est ça, bon Dieu, bah, Saïl, comme mission pour l'avoir accompli. Attitude Saïl vient permettre à ce que bon Dieu fâché contre Saïl. Et en vérité, ma joie soya, plutôt tout le monde fâché contre nous, plutôt Marie a fâché contre nous, plutôt le monde nous a compté sur les patrons fâché contre nous, mais bon Dieu pas fâché contre nous. Est-ce qu'on avait même l'église là? Et ce m'a dit à ce que plutôt son mari qui fâché contre nous, madame. Qui courit qui t'aime, mais bon Dieu pas courir, pas courir qui t'aime. Et ça, il parle de grave erreur. Et si à travers le texte, tout erreur, ça fait, c'est le texte qui parle permettre à ce que bon Dieu vienne de Israël net. Qui ça, ça il fait? Ça il est certainement là, dans la guerre. Le Saïl arrivé, il y a une bataille là. Il écrase tout le peuple Amalek là. Mais Saïl qui a une attitude, c'est comme si son être qui était matérialiste. Ou bien tu es capable de dire qu'il est cupide. Je parle de cupidité, c'est un monde qui remet l'argent. Matérialiste, c'est un monde qui est attaché à des choses matérielles. Et maintenant, à travers ce que ça voulait tirer attention, on dit, tout le monde qui remet des choses matérielles parce que c'est parce que bon Dieu, il n'y a pas qu'à servir bon Dieu. Il a fait bon Dieu avec un ou ça. Souris mes bagailles matérielles plus passer mon Dieu ou pas pour servir mon Dieu. Et ça qui est intéressant, sous d'accord pour perdre des bagailles matérielles pour suivre mon Dieu, vous pouvez jouer non seulement bagailles matérielles abondamment, mais vous pouvez hériter la vie éternelle.
Ça te rivé ou à Salomon? Le bon Dieu m'a dit ça ou à Salomon, ça pour moi, ou à Salomon pas demandé bon Dieu richesse. Ouais, il m'a dit bon Dieu ça, sagesse. Et ou à Salomon te vit l'homme qui pire riche sous la terre jusqu'à présent. Parce qu'elle est intelligente. Il n'y a pas de matérialisme, il est priorisé la spiritualité. Ça fait un chrétien, hein, ou devait mettre dans la bon Dieu en première position. Et ça fait qu'il cherchait premièrement le royaume et la justice. La justice de Dieu. Le fait que vous mettez les choses bon Dieu en priorité, depuis à ces sacs matériels-là, depuis à ma venir. Mais le fait que, à travers texte, vous allez découvrir l'attitude, ça y est, pas mettre la spiritualité en première position, il va le mettre en deuxième position, et puis David va chuter. Qui ça, David, soit ça y fait, ça y est, allez se voir dans la guerre. Mais pour ça, dans la guerre, la petite monde, la crasse brisée, la tire en pile soldat. Mais là, le bataille a fini comme ça, ça a fait ensemble avec le peuple. Ils ont ramassé toutes bêtes qui puissent grailler, tout chameau. Ils ont tourné avec eux dans le pays d'Israël. Là, ils ont fini au point où ils ont tourné ensemble avec lui. Bataille, ça a fait bon Dieu fâché, contre Saül. Elle devait être prophète contre Saïl pour faire connaître que lui fait un baril par le plaisir. Dans le texte là, et puis les Saïl paraît, côté Saïl, et puis Saïl, Samuel dit Saïl, bon Dieu fâché contre vous. Alors depuis le commencement, Samuel est entendu bruit bête. Pendant Samuel entendait bruit bête, Samuel demandait Saïl et tout bruit ça a entendu là. Pour qu'on sache ça, il dit. Ça, il dit, non, ça, c'est le peuple là, oui, qui te prend yo, dans le pays Amalek qui vient avec nous. Là, il dit, il est dans le tiré de l'OTAN. Et qui est le monde qui te borde, qui est le monde qui te gagne responsabilité, c'était ça, Saül. Et ça, c'est un exemple. Leur leader, leur son dirigeant, ou qu'on responsabilité pour faire bagaille, pas quitter ce groupe là qui oriente, j'ai envie de nous faire bagaille là, c'est comme ça que pour le faire. Parce que le monde qui n'a pas recevoir la punition, c'est où? C'est vous-même. Même si c'est le peuple là qui te prend, mais ça y est, il y a autorité pour te faire le peuple là, qui te réparer les là. Ça y est, il y a autorité pour te dire le peuple là, et pas mission, ça me dégagne. Vu que ça y est, rentré en contrebande avec le peuple là, il vient désobéir, avec vous devoir le puni, ça y est. Et puis, lui retirer la relation de lui voyait le bail peuple là. Maintenant, avec ça, dans la conversation lui-même avec Samuel, Samuel lui dit, bon Dieu, fâché contre vous. Laisse ça, lui dit, non, c'est pour me prendre ça, pour me débouler, pour me faire sacrifice, bail bon Dieu, lui commence à changer pas parole. Ça y est, il commence à changer parole, qu'on y a, et pas le peuple qui te prend, non, mais c'est lui qui est venu avec toi pour le débouler, faire sacrifice. Est-ce que c'est ça qu'on y dévoile, ça y est, fait? Non. Maintenant, là, bon Dieu parle en colère contre ça y est. Et à travers le texte là, ça y est, il n'a pas montré que l'intelligent, ça y est, il n'a pas montré que les hommes qui ont humilité, lui commencer à faire sa relève et comme on est capable de dire ça en créole dans le bon terme, non, la fait je cherche devant bon Dieu. Et bon Dieu pour aller punir Saül. Bon Dieu va pas retirer l'esprit seulement sous Saül. Attitude Saül de gagner, c'est une attitude d'humilité à la manière de David dans 2 Samuel chapitre 11. Et c'est deux personnages différents. Nous sommes capables de remarquer, le problème de Jésus, c'est l'attitude qui pourrait faire bon Dieu débloquer. Et bien, à travers ça, l'attitude Saül pourrait permettre à ce que bon Dieu punir. Et si vous regardez dans 2 Samuel chapitre 11, vous pouvez voir l'attitude David pour faire bon Dieu faire, bon Dieu faire grâce. Nous sommes capables de remarquer, frère Maxime, le péché, c'est un bagage quotidien. Son bagage journalier. Ça veut dire que c'est chaque jour qu'on fait péché. Ça veut dire que péché et la vie devenu parfois une habitude, une messe dans le vieux.
Est-ce qu'on connaît la Bible dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas faire vous sauver? Ou pas venir prier là pour sauver? Ou pas venir dans l'étude pour sauver? Ou pas faire au fond pour sauver? Ou pas faire pour sauver? Ou faire tout bagage ça parce que bon Dieu sauver? Ça veut dire que bon Dieu pas sauver parce qu'on te fait bagage qui est bon. Bon Dieu, c'est bon, c'est parce que par les moyens de la foi, c'est parce qu'on connaît Jésus-Christ et petit, bon Dieu, il était mouru pour vous, il résiste à la tournée d'une direction, vous croyez dans ça. C'est ça qui sauve vous. Ça veut dire que vous venez de la conscience de la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire que les gens qui ignoraient la mort du Seigneur Jésus-Christ, vous ne savez pas qu'il y a le salut. Et dans, à travers la lumière, c'est ça. Qui va être capable de condamner Saül, c'est la conscience, la connaissance de la parole de Dieu. Saül ne connaît pas pour confesser la paix avec l'église là. Saül ne connaît pas pour le confesser, pour dire oui, coupable. On ne fait pas exactement ça, mon Dieu, que Dieu fait grâce. Saül ne fait pas ça. Saül continue à faire résistance, la tirailler avec Samuel. Et puis, mon Dieu, par mes caractères, ça fait ma Seigneur. Bon Dieu, par mes caractères, monde qui n'est pas conscient de l'état. Et c'est ça que fait la Bible, dit que monde qui résistait à bon Dieu, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'être conscient devant bon Dieu, c'est pécheur, la vie n'est pas bon. Laisse à bon Dieu faire grâce. Mais l'on comprend nous c'est gros chrétiens, ou supérieur passer tout le monde. Ou sentir que c'est au plus beau passer tout le monde, laissez-vous venir orgueiller, bon Dieu pas fort grâce. Vous souvenez le vêtement, bon Dieu baissé. Nous regardons l'attitude. Saül, tu fais pas carrière de grâce, bon Dieu. Est-ce que bon Dieu va en bon Dieu de grâce? La paix avec vous l'église là. Est-ce que bon Dieu va en bon Dieu de grâce? Oui, bon Dieu, bon Dieu de grâce. Si bon Dieu pas en bon Dieu de grâce, moi-même avec vous nous battons là. Fallait bagarre et nous faire devant mon Dieu. En vérité, si vous avez dit chaque monde, repassez par vous. Repassez la vie devant mon Dieu. En vérité, vous avez dit, nous trop sale, nous ne pouvons pas servir mon Dieu. Bon Dieu n'a pas besoin. Mais est-ce qu'on connaît mon Dieu toujours même? Pour qui ça, mon Dieu aime? C'est parce qu'on vient devant mon Dieu. Ou plaignez Misanel, ou faire connaître un coupable, ou pas bon, aidez pour me faire effort, aidez pour me suivre vous. Et c'est attitude ça, oui, David te gagne. Dans 2 Samuel chapitre 11, les prophètes Nathan, alors, prophète Saül te gagne, prophète Samuel qui devient côté, mais prophète David, David te gagne, prophète Nathan qui devient côté, après, il fait Jacques Bethsheba. Et puis, Nathan dit David, mais ça, on fait. Ou coupable. Et si tu regardes le contexte là, mes chers amis, péché, David là, c'est ton tout péché. Ou tu as son péché plus grave parce que Saül. Non seulement David, lui, fin fait adulte avec Bathsheba, l'infini, lui tire avec Bathsheba encore. Comme si lui finit mon tout péché. Mais est-ce qu'on connaît l'attitude David permet à ce que bon Dieu dit, moi je suis un homme, c'est l'homme qui aime. La paix avec vous l'église là. C'est ça qui fait tout. Et pas la foi, et pas quantité de œuvres vous avez sauvé, mais c'est la foi. Si vous avez des œuvres de messieurs Sayo, certainement David t'a dû périr. Mais l'attitude David, David connaît le péché. Il est conscient qu'elle dit le coupable. C'est elle qui fait ça que pas vous ouvrir. Ça fait à son crime. Lui ou la terre devant mon Dieu. En plus, mon Dieu, vient grâce. Et c'est ça que Dieu attend de vous à soyez pour débloquer. Tout le temps, vous êtes conscient que vous dites moi coupable. Pour repasser la route. Pour dire que les bagailles te font monde. Vos bagailles te font soeur. Vous pouvez aller. Vous ne pouvez pas aller. Vous êtes coupable devant mon Dieu. Vous mettez fait déblocage matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas débloquer. Là, vous pouvez avec vous l'église. À soyez, c'est attitude qui va le faire bon Dieu
débloqué. Attitude wa Saül, c'est une attitude qui, bon Dieu, condamné attitude ça. Attitude moun qui pas conscient. Est-ce qu'on est des moun qui pas jambe d'accord pour dire coupable? Maintenant bagay familier, maintenant bagay zanmi tay, maintenant bagay frère et sœur, moun nan pas jambe quoi pour dire c'est moi menton. Il va de caractère ça. Comme si moun nan pas quoi pour dire il fait ça mal. Parfois, dans même prière, nous avons prié devant mon Dieu. J'en nous prie, comme si nous pas mon Dieu responsable parce que tout le bagage va marcher bien. Dans chanter, dans l'adoration, j'en ai prié, parfois nous prions mal. Nous mettons ça là devant mon Dieu, nous ne sommes pas conscients, nous ne sommes pas questionnés pour dire si vous bloquez quelque part, bon bagage n'est pas fait. Bon côté, bagage l'a débloqué. Ce n'est pas mon Dieu qui parle de débloquer. La paix pour avec vous, l'église là. Et pas mon Dieu qui vous là dans la misère. Si vous ne connaissez pas ça, petit ou pas qu'à faire, caille ou pas gagnant, travail ou pas gagnant, ce n'est pas mon Dieu. Au contraire, mon Dieu est tellement pas d'accord pour nous souffrir, il mettait tout le bagage sur la terre, l'infini pour nous joindre. Mais vu que nous avons un sujet qui a une base spirituelle, nous voulons axer sur ça pour nous dire que. Attitude parfois, il ne faut pas garder une grâce dans mon Dieu. Le fait que les cœurs, pourquoi ouvert, à ce qu'on pense à la vie. Cœur pourquoi l'ouvrir à la manière de David. Cœur fermé à la manière de Saül. Ça fait mon Dieu pour prêt pour délivrer ou bien pour débloquer. Et ça fait à ce frère Maxime, bon Dieu dit. Nous sommes conscients, nous sommes coupables de nos péchés. Vindez ma péché, moi je suis prêt pour me pardonner. Mais nous faisons péché matin, midi, soir, nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients de nos péchés. Il y a un pile dans nous qui fait fracture nous mal. Nous faisons voisinage là, mal jusqu'à présent. Si nous ne passons sur le pas dire bonjour encore, on peut venir dans des blocages. Combien de nous sommes sous cœur ou pour vous réconcilier ensemble avec vous? Combien de bagages ont fait mal ou pourquoi venir devant mon Dieu pour demander mon Dieu pardon pour dire mais ça me défait pas de fort plaisir à la manière de David pour dire mon Dieu pardonne pour capable de débloquer mon affaire crever. Assoyez en fermé attitude ça, en retirer attitude ça, aspect condamnable que Saül t'a affiché devant Samuel. Et vos bagages. Samuel dit ça, il dit, obéissance vaut mieux que ça qui? Que sacrifice. La paix vous dit avec vous. Obéissance vaut mieux que sacrifice. Est-ce qu'on connaît grand pile monde qui a fait un pile sacrifice pour servir mon Dieu? Il y a seulement rebelle, c'est qu'on veut faire dans l'église. Grand pile monde qui rebelle dans l'église, qui passe soumettre, qui passe soumettre à rien. En ne sont pas soumettre. Ou pas qu'il humilité la caille. Ou pensez au spirituel qu'on veut faire. Ou pensez que c'est parce qu'on va être gros dîme. Parce qu'on toujours prend cette scène. Parce qu'on va être gros fond. Ou qu'on attitude la caille. Ou rebelle, ou pas obéissant. Ça suffit pour finir avec vous. La Bible dit obéissant vaut mieux que sacrifice. Tout sacrifice qu'on fait, on va faire en vain parce qu'on pas obéi ou pas obéissant. Eh bien, Saül était d'accord pour faire sacrifice, c'est vrai. Mais sacrifice, ça n'a pas en vain, et par mission, ça a gondé des balles. Et l'attitude de Saül, par le monde, qui t'a montré qu'il était la foi dans le bon Dieu. Mais contrairement à David, David était croyant dans le bon Dieu. C'est ça, mon Dieu, à tant de fois, frère Maxime. Est-ce qu'on connaît le bon Dieu, pas de problème parce qu'on péché? Pour qui ça me dit ça? Parce que nous sommes pécheurs. Bon Dieu pas sauvé parce qu'on n'a pas péché. Parce qu'on fait rien qui bon. Bon Dieu est sauvé parce qu'il est venu choisir. Sauvé, il faut grâce. Parce que Jésus-Christ mourut pour pécher. Et puis vous-même, vous conscient de ça. Et puis bon Dieu est sauvé. Si bon Dieu t'a sauvé parce qu'on fait des choses qui bon devant bon Dieu, pas de monde l'a sauvé parce que nous sommes tous coupables. Mais bon Dieu attend après le péché ou une attitude de repentant. Il y a quelqu'un qui a repenti, qui a cherché mon Dieu. C'est ça, mon Dieu, vrai.
L'homme péché, on retient dans le péché, on grandit dans le péché, on domine dans le péché. Ou pas, on a la foi dans le bon Dieu. C'est là où on perd à la manière de Saïl. Mais le fait qu'on est conscient, ou t'es tombé quelque part, ou vite devant mon Dieu conscient, ou rebâtir la foi dans le bon Dieu, c'est ça qui a sauvé ma soeur. Et ça fait ma petite chaque monde qui l'a. On essaie de comprendre qui est ce bon Dieu dans ce vie. Si vous ne pas comprendre bon Dieu, vous ne pouvez pas servir bon Dieu. Si vous ne pas connaître ça, bon Dieu est vrai. Si vous ne pas connaître le fonctionnement institution, c'est l'église, le principe qui est établi, en vérité, là tout le temps, là tout le temps, à mon bâle, parce que vous ne pouvez pas comprendre comment l'institution spirituelle ça fonctionne. Et ça, pas soyez, vous voulez que chaque monde qui est là, enfin même, vous venez dans le déblocage pour me dire bon Dieu, pour être capable de débloquer. Est-ce que vous avez un cœur de David? Est-ce que ce n'est pas avec un cœur de Saül ou approcher devant bon Dieu? Pendant ma prière, nous bloquons quelque part, nous cherchons la face de Dieu, nous cherchons la face de Dieu avec un cœur de Saül ou à faire quoi? Covid. En nous demandant bon Dieu, pardon, à soi, à visiter tout. Moi, je vais, Jésus, passez tout. Mais c'est Dieu, agent conscient.
transformer son père, ses heures. Il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui sentit fatigué. Il y a quelqu'un qui sentit manqué. Il y a quelqu'un qui grandit spirituellement. Ça cherche là par nous. Il y a quelqu'un qui est disponible pour vous. Si elle vient Dieu, à la manière de Saïd, il n'est pas disponible. La prière c'est vrai. La gêne c'est vrai. La fête des blocages c'est vrai. Mais on ne parle pas de partir. Assoyez à vous devant nous, vous êtes coupable. Quelque part, vous êtes condamné à nous entrer. Vous êtes condamné à faire accès à nous. Mais nous cherchons pas ça. En plus, nous allons tirailler, nous pas conscients. Dès qu'à nous, papa, nous ne pouvons pas nous faire ça. Assoyez à vous devant nous, vous êtes condamné à nous faire ça. Vous êtes cherché, vous êtes lâché. Yo pas d'accord, yo tourne la caillou avec péché, yo ne pas tourner avec Pessaï là. C'est pour mal en paix de David, qui conscient qu'elle tombait, qui conscient qu'elle ne voit qu'il mal des rangs, ni l'île des rangs, ni où la terre. Il dit, fais grâce, Seigneur, en vous faisant grâce de l'île. C'est très agréable et vous avez cherché dans le monde. Vous fatiguez à la situation, vous fatiguez à péché qui est dans notre activité, à soi, nous voulons libérer. Libérez l'église, libérez le peuple, parce que c'est mon Dieu. Pour que le pouvoir c'est Dieu, pour que la puissance c'est Dieu. Pour qu'on ne fasse pas faire la base de vérité. Pour qu'on ne fasse pas Dieu. Pour qu'on ne fasse pas Dieu. Au siècle des siècles. Amen.